se retrouve encore en montagne sans matériel d'alpinisme. La glace et la neige n'ont pas l'air d'être stables. Tu devrais avancer avant que ça s'effondre. Dépêche-toi. J'ai un petit peu l'habitude, tu sais. Le voilà. Alors ça, c'est une épave. T'avais quel âge, 8, 9 ans ? À peu près. Un des hélicos de Rutland. Je lui ai dit de se mêler de ses affaires et il me suit jusqu'au bout du monde. Il a peut-être mal compris. Tu crois qu'il est là ? J'en doute. La séquence de chez lui est supposée. Attention ! Bon conseil, Jeep. Je vois que tu veilles sur moi. Et sur une stun. Il signe l'échec. Oui. C'est ça.
de nager, tu vas finir en glaçon. Si seulement je pouvais marcher sur l'eau. Je veux pas dire, mais je suis à la maison. Il a l'air de faire assez froid pour se transformer en Yeti. Super, Zip. C'est bon, tu as fini? Désolé. Je ne sens plus mes os. Mon Dieu, il fait un de ces froids. Oh, mais ça va aller. Ça va aller. Chaque objet a une fonction symbolique. Si seulement le monde extérieur était pareil. Une chose à la fois. Eh ben, si c'est tout ce que ça fait, c'était une sacrée perte de temps. Bon, je suppose qu'il faut que je trouve un moyen de... Ouais ! Maintenant, nous savons comment Arthur est devenu...